Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure de Resident Evil 8 Village, live, sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Il y a encore du chemin. Salut Charlie, ça va? Pour Miranda, nous ne sommes que des enfants. Oh, c'est pas qu'elle nous aime. Ça, non. Elle a perdu son humanité depuis longtemps. Je dois l'anéantir. Arrêtez de me saouler avec tes histoires de famille! Ah ouais, je sais pas. J'ai mis les basics, là, les premiers. 1, 2, puis 0. Tranquille, ça va être mieux. Qu'est-ce que tu joues, Charlie, maintenant? Donc, modèle. Oh, tabarnak! Les gars, je cours puis je pars vers la droite, je vais prendre.
Il fallait l'arrêter avant d'y aller. Ah, faut tirer la... Merde. Je comprends. C'est la sorte de mort. Ça va être ça. Ok, je viens de comprendre. Je tirais dedans directement. Des fois ils sont verts, des fois ils sont pas. Ah ouais, ils sont tout en vert, t'inquiète. Comprendre. Beaucoup des fragiles là-dessus. Moi qui trouve pas où aller. Salut Gabifou.
Salut Matador. Tranquille. Bientôt, elle commencera sa cérémonie avec ta rose. Si ça se produit, c'en est fini. Pour ta fille et pour tout le village. Mais ne t'en fais pas. Je l'en empêcherai. J'utiliserai Rose pour tuer Miranda. Pauvre papa. Tu es le seul à ne pas voir le pouvoir de ton propre enfant. Tu veux Rose? Essaie un peu pour voir. Ah, ça continue. Continue, il faut que je descende. Hein, tiens. Ok, ouais. C'est sombre. Correct. Perdu.
J'arrive de là. Tabarnak. Ah, oh, si j'étais là pour rien. Yeah. C'était là. Tu me niaises ! L'étage que je suis. Voilà.
Attends, j'arrive d'être là. Ah, c'est là, non? J'arrive d'être là. Descends là. Tabarnak. Hostie. Qu'est-ce que tu parles en même temps? Oh, j'ai pas été à la bonne place encore. Ah, ici, faut que tu sautes en bas, pis c'est pas là pour jouer. La bonne place, mais pas la bonne place. Je trouvais juste plus. J'étais à la bonne place, mais pas à la bonne place. Je trouve.
Je dois aller parce que j'étais la clé tantôt. J'arrive pas à trouver de nouveau CO, putain. Je dois passer en arrière du Mans. Trempé encore. Touche-moi d'un. Top quoi? Sors d'ici. Par là? Dans cette porte ou pas? Dans cette porte? La porte verte? Tu regardes la porte. Ouais. À droite. Par ici? Saute. Par ici. Ah, calice. Il y a trois portes pour y arriver, mais ça m'a... Thank you.
oui, oui. Au revoir. Jetez un coup d'œil, faites à votre guise. Vous vous séparez de cela ? Non, 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 je suis heureux de vous en débarrasser. J'ai hâte de voir les fruits de votre exploration. Patience. T'es vraiment un coriace, toi. Mais trêve de bavardage. Il est temps d'en finir. Tu peux l'entendre, pas vrai? Il y a quelqu'un qui t'attend. J'ai utilisé un turbo-propulseur à bon marché, mais la puissance du réacteur est peut-être un peu trop élevée. Il est impossible de le contrôler. Tout ce qu'il fait, c'est charger. Il faut être complètement invincible devant cet imbécile à réussir. A réussi à couper les... à se couper les bras avec un hélice, sans parler des problèmes de surchauffe. Quand il fonctionne trop longtemps, check. Pas bon quand on refait le plan. Connerie! Laisse-moi tranquille! Supposé le tuer, lui là. Il est là. Ah, calice. Oh, calice! Non, elle est belle à ce style.
reviens pas! Oh, tabarnak déjà! Ignoble, sa fourberie ne connaît pas ses limites. Pour elle, nous ne sommes qu'une série d'expériences ratées avec le cadou. J'ai simplement eu la chance de montrer plus d'affinité avec ce truc que les autres villageois. Elle ose encore dire que je suis son fils. Tu parles jamais de lui. Pardonnerai jamais ce qu'elle m'a fait. C'est une bonne femme, a toujours eu une case au moins. Elle est incapable de faire une différence entre cobaye et famille. Miranda n'a pas seulement transformé mon corps, elle m'a enlevé ma dignité. Si je ne la tue pas, alors je ne sais. Ceci dit, elle est peut-être folle, mais elle est aussi très puissante. Elle est capable de prendre n'importe quelle apparence grâce au méga mitette. La clé de cette gamine rose. Si je pouvais m'emparer de son pouvoir, alors peut-être que j'y... Mais j'y pense. Son père, Ethan. Un corps plutôt intéressant, lui aussi. Je pourrais peut-être le forcer. Pas mal, pas mal, Ethan. Tu es tenace. Mais j'ai une rébellion à mener. Alors ôte-toi de mon chemin. Encore!
Donne-moi ça! Je t'ai dit de laisser tomber, Ethan! Tu nous gênes! Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'as tué ma femme, sale ordure! Tu crois que je tuerais Mia? C'était pas elle. C'était Miranda. Quoi? C'est une arme biologique. Elle a changé son apparence et elle s'est fait passer pour Mia. Apparemment, elle a survécu, donc je suis là pour finir le boulot. Tu te fous de moi? Pourquoi tu m'en as pas parlé tout de suite? Parce que je savais que tu voudrais t'en mêler! Cette mission est déjà assez dure sans avoir de civils dans les pattes. Mais pourquoi nous? Qu'est-ce qui se passe, putain? D'accord, Ethan. D'accord. Je te dois une explication. Passe-moi cette clé. En résumé, Miranda est complètement tarée. Et ce village, tous les monstres qui y habitent, c'est l'œuvre de sa vie. Une sorte de grande expérience sur la moisissure. La moisissure? Comme en Louisiane? Putain de merde! Et tout ce temps, moi, je pensais pouvoir sauver ma famille! Je peux pas sortir d'ici! Je peux rien faire! Non, pas forcément. Regarde ça. Mes hommes m'ont envoyé ces images à l'instant. Regarde la suite. Rose, putain, faut qu'on y aille. Du calme, mes hommes surveillent la situation. Mais elle a ma fille. Je crois que tu saisis pas. Tout seul, t'as aucune chance contre Miranda. Je vais rester ici pour placer des explosifs. Prends cet ascenseur, je te retrouve en haut. Je te promets qu'on récupérera ta fille. Ensemble. Un peu qu'on va le faire. Et quand je trouverai Miranda, je lui ferai la peau. Très bien. Alors prends ça. Et rends-moi service. Te fais pas trop remarquer. Tour de l'usine, malheureusement, je n'ai rien trouvé, aucune preuve quelconque liée à une organisation. Néanmoins, j'ai pu mettre la main sur certains nombres de documents révélant quelques-unes des expériences de Miranda. Ceci confirme nos hypothèses. Apparemment, elle est infectée avec le mutamycète, qui a conféré plusieurs habilités, notamment les métismes. Mais en ce qu'elle Miranda a pris la pour son docteur, il est clair que son but était de. Rose s'est peut-être mis en ressemblant à sa mère et pourrait plus facilement prendre le contrôle. Semblant d'être en attendant une opportunité pour agir à nouveau, elle. Dans le fourgon, il a tué tout le monde à bord avant de partir. Les choses ne sont pas passées exactement comme elle. Mais au final, elle est tout de même parvenue à. Mais nous l'arrêtons, je vais faire exploser. Avant de prendre au point de Heisenberg a sûrement se manifester, mais je pense avoir quoi affronter cette sorte de vie en bas.
Ce que je comprends pas, là. Composite métal polymère. On va combattre le feu par le feu. J'arrive, Rose. Qu'un misérable cafard. Tu penses pouvoir m'affronter? Mia. Ce sera mon échauffement avant de tuer l'autre con. Règle ça. D'homme à homme. Ton cadavre rejoindra les rangs de mon armée. Bien attaché. Maintenant, voilà avec mal. Essaye encore. Montre-moi ce que tu vaux. Dommage que je sois le seul spectateur. Ever. Tu es déjà mort. Oh, y'a rien de mieux. Hey. J'imagine que c'est la porte de la bombe paternelle. Quel pied d'enfer trop long. Merde de mort. Oh, vas-y, continue. Quoi, c'est tout? Allez, c'est parti. Inscris-toi devant mon corps blessier. J'imagine que je peux remercier à cette conne de Miranda. Je l'ai tué avec le pouvoir de mon dieu. C'est ce que j'appelle être un bon fils. Tu t'éclates. Tu sais ce que ça fait de passer toutes ces années sous la coupe de cette connasse. Où dit la joie, le sentiment de pion sans valeur. Moi, je me bats pour la liberté. Pour être plus puissant que jamais. Ouh, je les sens passer, je t'assure. Leur tour, Dan. Fini de jouer. Ce n'est pas David et Goliath,
C'est Ethan et sa mort sanglante. On le tue comment, lui? Impressionné? Dommage que je sois le seul spectateur. Qui t'éclate ! Impressionné ? Oh, n'abandonne pas ! Heisenberg. Maintenant, je vais trouver Miranda et récupérer Rose. N'y va pas sans moi. C'est trop dangereux. Attends-moi, d'accord ? Ethan ? Rose ? Ethan ? Ethan, réponds ! Mia ? Notre fille. Elle compte tellement, n'est-ce pas ? Elle est tout. Il en reste encore beaucoup, Charlie. Pour moi aussi. Sans Heisenberg, tu n'as plus de piste. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'en sais rien, mais je vais sauver Rose. Tu ne sais rien. Tu ne vois rien. Comme lorsque j'ai pris la place de Mia chez toi. Pauvre état. Qui es-tu ? Où est Rose ? Miranda. Ça suffit. Te souviens-tu d'Evelyn et de son pouvoir sur la moisissure ? Charlie, il reste encore Rose beaucoup. Rose est son successeur. Moins de ça ? Non. Rose est la forme véritable et parfaite d'Evelyn. Elle deviendra capable de contrôler les masses. Il me la faut à tout prix. Il va te faire foutre, pauvre taré ! Calme-toi. Rose sera sauvée. Le Mégamycète nous garde tous en mémoire. Cependant, elle renaîtra comme ma propre fille. C'est ma fille, c'est pas la tienne ! Où est-ce que t'es ? Montre-toi ! Pourquoi Rose est-elle si spéciale ? Est-ce à cause de ses parents ? Il est vrai que tu es un cas à part, mais tu n'as plus rien à m'apprendre. Je n'ai plus besoin de toi comme cobaye. Miranda, espèce de lâche. Allez, amène-toi. Ne t'inquiète pas, Ethan. Ta mort sera rapide. Tu rejoindras la mémoire du Mégamycète.
Je garderai un échantillon de ton sang pour plus tard. À l'aube prochaine, la cérémonie sera achevée et je deviendrai alors sa vraie mère, liée pour l'éternité dans le sang. Je ne fais plus de sens. L'histoire fait plus de sens. J'ai attendu si longtemps. Mon rêve va enfin se réaliser. À travers Rose, je vais enfin pouvoir retrouver mon enfant. Charlie, t'es là? Capitaine, je vous confirme qu'Ethan Winters est bien mort. Je n'ai pas pu récupérer le corps, mais j'ai des preuves, tout est enregistré. Partageons nos écrans, que je t'explique la situation. Avec mon équipe, on a été imprudents. Hier, on a lancé l'assaut sur Miranda. Mais elle a survécu. Qui aurait imaginé qu'elle pouvait se faire passer pour un cadavre? Comme Miranda aurait pu infecter Ethan, j'ai décidé qu'on l'emmène aussi, en plus de Rose. Mais le véhicule dans lequel ils étaient a été attaqué. Quand je suis arrivé sur les lieux, Ethan et Rose n'étaient plus là. La dernière fois que j'ai pu contacter Ethan, j'ai entendu Miranda. Elle l'a tué. Et je jure qu'elle va payer pour ça. Bordel, ça s'arrêtera quand? Quoi donc? La mission? Tout ça. 3 ans à essayer de mettre fin à cette merde. 3 ans de trop. On l'aura, capitaine. L'escouade est prête. Le BSA est déjà là. Ils ont pas perdu de temps. On change nos plans? Non, on fait ce qu'on a dit. On élimine Miranda et on sauve Rose. C'est la mission. L'échec n'est pas une option. On va enfin pouvoir s'amuser, comme au bon vieux temps. On y va. Compris. Oui, Kenine, je veux savoir ce que le BSA a foutu ici. Vois ce que tu peux trouver. Compris, je m'en occupe. Ça fait un bail qu'on s'était pas battu ensemble, capitaine. C'était quand la dernière fois? Le désert? À force de faire de la reconnaissance, j'ai perdu la forme. Ouais, mais grâce à ça, on sait ce que Miranda mijote. N'empêche, j'en reviens toujours pas qu'elle ait pris l'apparence de Mia. Et le fait qu'elle ait encaissé 5 tirs dans la tête, on en parle? Flippant. Alpha, regardez ça. Ça a l'air chaud là-bas. Comment comptez-vous atteindre l'objectif? D'abord, il faut se débarrasser de ce truc. Je vous couvre, capitaine. Au travail. Faites tous attention aux armes biologiques. Compris. Contact établi avec un groupe d'armes biologiques. Ils sont plus nombreux que prévu. J'y vais. Bien reçu. Appareil du BSA repéré. 2 gardes. Je peux m'en charger. Pas de risque inutile.
17. C'est sûrement là que Miranda se trouve. On y va. Arme biologique mutante en vue. Hey, chef, la moisissure libère peut-être des particules infectieuses. Gardez bien vos masques. Compris. Ici Tundra. J'ai laissé du matériel dans l'une des maisons, capitaine. Servez-vous. Andorraïs, t'es toujours avec moi? Je vous vois. Objectif à 200 mètres. Ça y est, je suis dans la cible. Oh la vache, c'est énorme. Lobo, je t'envoie les coordonnées. Ok, bien reçu, chef. Bingo! Et voilà! Je recharge. Juste une minute. Un groupe se dirige vers vous. Vous voulez.
quelque chose doit la stimuler. Les mecs du BSA affrontent les armes biologiques. Vous avez raison, capitaine. Ils sont là pour dégager cette fois aussi. Est-ce que le marqueur de cible fonctionne? Il y en a combien comme ça? Tout le monde va bien? Ils sortent de la position. Oh, lisse. Il y a de plus en plus d'armes biologiques. Il faut qu'on les étudie plus vite. Cinq autres en provenance des montagnes, côté est. Je suis pas loin, je me charge d'eux. Il faut un petit moment pour verrouiller la cible. Gardez le laser dessus autant que possible. On va se toucher. Je crois que ça va pas tarder à s'écrouler. Attendez un peu, je recharge. Et voilà. Faites attention, capitaine. Indiquer un point avec le marqueur aussi. Bien reçu. Prenez ça. Bien. Le méga missile doit être là-dessous. Je devrais pouvoir descendre. J'y vais. Vous autres, vous restez là. Capitaine. J'ai comparé la moisissure du village à celle récupérée chez les Baker, et... il n'y a aucune trace de modification génétique, contrairement à la série E. Ce truc est né ici. Faut me remplir. Son ouverture de calice. Juste au-dessus, chef. Ok, je vais t'indiquer la cible. Jamais un seul moment de réponse. C'est vrai. Je sais pas quoi faire. Fallait marquer la cible avec la ferme, ça dit qu'on pouvait pas l'utiliser. Il marchait pas trop. Je devrais pouvoir descendre. J'y vais. Vous autres, vous restez là. Capitaine, j'ai comparé la moisissure du village à celle récupérée chez les Baker et... il n'y a aucune trace de modification génomique, contrairement à la série E. Ce truc est né ici.
Comme ça, on garde le méga Michette. J'en ai un balèze, là. Il va falloir un coup de main. Chef, vous êtes sous terre. Il y a une ouverture au-dessus. Utilise-la. Ok, j'arrive. Tenez bon, on attend. Quelle est la cible ? J'avais un seul moment de répit. Super ! Ça a marché ! Je recharge. Juste une minute. Je n'utiliserai pas toutes mes grenades, facile. Je devrais pouvoir descendre. J'y vais. Vous autres, vous restez là. Capitaine, j'ai comparé la moisissure du village à celle récupérée chez les Baker et... Il n'y a aucune trace de modification génomique, contrairement à la série E. Ce truc est né ici. Alors comme ça, on garde le méga Michette ? J'en ai un balèze, là. Il va me falloir un coup de main. Chef, vous êtes sous terre. Il y a une ouverture au-dessus. Utilise-la. Ok, j'arrive. Tenez bon, là. Je me fais ça d'une autre manière.
C'est mieux qu'avant, mais pire en fait. Je devrais pouvoir descendre. J'y vais. Vous autres, vous restez là. Capitaine, j'ai comparé la moisissure du village à celle récupérée chez les Baker et... il n'y a aucune trace de modification génomique, contrairement à la série 2. Ce truc, il est ici. Alors comme ça, on garde le méga michette ? Ça se rend pas. Je devrais pouvoir descendre. J'y vais. Vous autres, vous restez là. Capitaine, j'ai comparé la moisissure du village à celle récupérée chez les Baker et... il n'y a aucune trace de modification génomique, contrairement à la série E. Ce truc est né ici. Alors comme ça, on garde le méga michette ? Ah, ah, je m'étonne. Je devrais pouvoir descendre. J'y vais. Vous autres, vous restez là. Capitaine, j'ai comparé la moisissure du village à celle récupérée chez les Baker et... il n'y a aucune trace de modification génomique, contrairement à la série E. Ce truc est né ici.
Alors comme ça, on garde le méga-missette ? J'en ai un balèze là! Il va me falloir un coup de main! Chut! Vous êtes sous terre! Il y a une ouverture au-dessus! Utilise-la! Ok, j'arrive! Tenez-vous en attendant! Il m'a eu encore. Arme biologique éliminée. Où est-ce que je dois tirer ? Oh, je l'ai eu. Je continue. Vous autres, restez en surface. Si Miranda était la fausse Mia, ou est la vraie ? À mon avis, Miranda s'en est débarrassée. Il y a des choses qui m'échappent. Comment Miranda a appris l'existence de Rose ? Peut-être que son petit doigt moisi lui a dit. On verra ça plus tard. Concentrez-vous sur la mission. Capitaine, j'aperçois Miranda sur le lieu de la cérémonie. Restez à distance. Ne bougez pas tant que j'en ai pas donné l'ordre. Je sais que c'est trop tard maintenant. Mais je crois qu'on aurait dû parler du plan à Ethan. On n'avait pas le temps. Et Miranda est passée à l'action plus tôt que prévu. Quand même, vous auriez dû le mettre au parfum. Ouais. Ça doit être le labo de Miranda. Pardonnez-moi de reprendre contact avec vous sous cette forme. Spencer, ici. J'y crois pas.
C'est avec ça qu'ils contrôlent les armes biologiques. Les mains en l'air! Amber Eyes, ici Alpha, dis-moi où est Miranda. Sur le lieu de la cérémonie. Je sais pas ce qu'elle fabrique, mais elle y est toujours. Bon sang. C'est vraiment toi. Je suis content que t'aies rien, Mia. Pourquoi t'es ici? On m'a capturée. Pour faire des expériences. Attendez, vous avez dit Mia? Mia Winters? En personne. Comment ça se passe là-haut? C'est un peu la guerre, mais ça va, on se débrouille. Vous laissez pas distraire. Tenez-vous-en au plan, je me rends à la cérémonie. Attends! Tu comptes me laisser ici? Tu nous as fait une promesse! T'as dit que tu nous protégerais. On a fait tout ce que t'as demandé. On est même venu vivre ici! Et ça m'était égal. Tant qu'on pouvait rester ensemble. Alors réponds-moi, où est mon mari? Où est ma fille? Ethan est parti. J'ai pas pu le sauver, mais je peux encore sauver Rose. Suis-moi, t'es pas en sécurité ici. Comment ça, il est parti? Il est mort. Je suis désolé, Mia, mais faut partir. Il faut qu'on détruise ce village. Non! Tu te trompes! J'ai essayé de garder ça pour moi, mais... Tu ne comprends pas à quel point il est spécial. Comment je suis arrivé ici? Miranda... Je dois encore sauver Rose. Eh non, c'était pas Miranda. T'étais déjà mort. Non, qu'est-ce que tu racontes? Je peux encore... Tu vois? Miranda t'a pas tué. À aucun moment t'as trouvé ça bizarre? Malgré toutes les blessures que t'as subies, hein?
Souviens-toi. Il y a 3 ans, chez les Baker, t'as été tué par Jack. T'es mort là-bas, il y a 3 ans. C'est impossible. C'est impossible. Tu devrais même pas tenir debout. Arrête. M'embrouiller la tête. Tu devrais pas tenir debout. Ta gueule! Qu'est-ce que je suis? Et là, Charlie? Déjà mort! Mort! Est-ce qu'il en reste encore là? Combien de temps selon toi? Enfin, il se réveille. Où suis-je? Dans ma roulotte. Vous faisiez un cauchemar. Votre combat contre Heisenberg valait le coup d'œil. Mais je n'imaginais pas voir Miranda. J'étais inconscient longtemps. L'aube va poindre. Duke, rendez-moi un service. Amenez-moi à Miranda. Je m'y attendais et nous sommes déjà en route. Nous arriverons sous peu. Merci. Mais Ethan, êtes-vous bien sûr? Votre corps, comment dire, tombe en morceaux? Oui. Question idiote. En parlant de question idiote, putain, mais vous êtes qui? Même moi, je ne puis répondre à cela. Nous y sommes. Ça. Monsieur Winters, je crains que vous ne puissiez plus jamais revenir dans le monde des vivants. Êtes-vous prêt? Ouais. J'ai pas le choix. Faut que je me dépêche. Thank you.
votre service. J'étais sûr que vous achèteriez cela. Vous allez faire un malheur avec ça. Laissez-moi faire. Ah ? C'est peut-être notre dernière rencontre. Surtout, soyez prudents. Merci. Miranda! Intéressant. Ton corps n'est décidément pas normal. Rends-moi Rose. Tout de suite. Tu verras. Une fois que je t'aurai achevé, tout sera... Ethan, maintenant! Fais-la! J'ai consacré ma vie entière à la réalisation de ce moment. Tu essaies de me l'enlever. Je prendrai ce qui me revient. Tous mes désirs seront comblés. Faut que je tire dessus pendant que tantôt, ou faudrait pas que je tire dessus en tout? Oh, ma petite Eva.
Eva, ma fille adorée. Viens à moi. Tu as rempli ta fonction, Ethan Winters. Tu as anéanti mes pseudo-enfants et réveillé le glorieux Megaton. Oh, ne t'en fais pas pour la petite Rose. Je te promets de la rendre vraiment très heureuse. Tu peux donc mourir en paix. Et... Ok, ouais. Ma fille adorée. Tu as rempli ta fonction, Ethan. Tu as anéanti mes pseudo-enfants et réveillé l'orgue Megaset. Oh, ne t'en fais pas pour la petite Rose. Je te promets de la rendre très heureuse. Tu peux donc mourir en paix. Et... Je ne crois pas que tu vas t'en tirer. Ça t'a surtout rendu cinglé.
Teva, ma fille adorée. Tu as rempli ta fonction, Ethan Winters. Tu as anéanti mes pseudo-enfants et réveillé le glorieux Megamind. Oh, ne t'en fais pas pour la petite rose. Je te promets de la rendre vraiment très heureuse. Tu peux donc mourir en paix. Et tu sais ce qu'est l'amour. Ne crois pas que tu m'attentionnes. Comment peux-tu m'en priver? Quand est-ce que tu vas te mettre dans le crâne que Rose est ma fille et pas la tienne? Le méga missette m'a sauvé du désespoir. Il m'a conféré ce pouvoir magnifique. Ouais, ça t'a surtout rendu cinglé. J'avais dit que c'était peut-être toi le problème! Tu es incapable d'aimer! Je réaliserai mes rêves. Je joue encore deux fois dans le noir. Je n'ai
qu'un humain vivre sans ce cœur. Tu es sûr que tu n'es pas l'un de nous? Tu n'es qu'un sale cadavre. Ta vie s'achève ici, et ta Winters pour être sûr que jamais trop fort, je vais te donner au... Ah ouais, enfin. Rose. Tout va bien, mon ange. Tout va bien. Ethan! Ethan! Allez, Ethan! Allez, Ethan, lève-toi! Chris, Ethan, t'as réussi. Tu l'as eu. Je crois qu'il m'a eu aussi. Ethan, il faut qu'on bouge. Ethan, j'ai mis un explosif sur ce truc pour faire sauter tout le village. Regarde-moi, il faut pas qu'on soit dans les parages quand j'appuierai. Bon sang, il y a Mia qui t'attend. Elle est vivante, tu m'entends? Vivante. Mia, je suis désolé. Je t'aime. Prends soin de Rose. Hé, hé, hé. Tu lui diras toi-même. Allez, viens, on n'est plus très loin. Veille sur elle. Apprends-lui à être forte. Ah, et merde! Adieu. Allez! Allez, on décolle! Vite! Chris! Où est Ethan?
Dépêche-toi. Il faut qu'on s'éloigne. Non. Hors de question qu'on s'en aille sans mon mari. Mia, assieds-toi et attache-toi. Pas avant que tu me dises où est Ethan. Jamais il nous abandonnerait. Allez, dis-moi ce qui se passe. Où est... C'était quoi? Je t'ai demandé de t'asseoir. Non. Où il est? Chris, dis-moi ce que tu as fait. Il est mort. J'ai essayé. Il est resté pour qu'on puisse s'échapper. Je suis désolé. Capitaine, faut que vous voyez ça. Le BSA n'a pas envoyé de soldats. C'est une arme biologique. Bon sang, à quoi il joue? Vos ordres, capitaine? Rassemble toute l'escouade. Direction le QG européen du BSA. Quelqu'un doit payer. Et un autre jeu terminé. Plus on t'en donne, plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Heureusement, ses parents qui n'avaient cessé de la chercher finirent par arriver. Avec une rage débordante, son père affronta la sorcière tandis que l'amour de sa mère brisa le maléfice. Mais la sorcière était puissante. Le père cria « Sauve notre fille !» La mère mit donc l'enfant en lieu sûr pendant que la forêt brûlait. Aujourd'hui encore, cette forêt calcinée est un triste rappel du sacrifice du père. On dit même que les enfants qui regardent trop longtemps cette terre carbonisée seront à jamais hantés par le cauchemar de se perdre en cueillant des baies. Hello, my dear.
On va le regarder, on regarde toujours le générique normalement. Il est devenu grand. Rose. Le sort d'homme qui met sa famille avant lui. J'ai pas pu tout lire comme il faut. Thank you.
J'interprète qu'est-ce qu'il se dit, j'imagine. Il va y avoir l'histoire de la mère et l'histoire de l'enfant après ça. Comme ça que se termine le jeu Resident Evil 8 Village. Oh yeah!